Brice Rocher, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Rocher, président de cette édition des One to One. On lit aussi d'autres choses. Vous êtes l'aîné des 8 petits-enfants d'Yves Rocher. C'est vrai ? Pas tout à fait, je suis le second. Bon, ben voilà, première, deuxième erreur, comme ça c'est bien. Le fils de Didier, ça c'est bon ? C'est ça. Vous êtes passionné de blues, de jazz, d'équitation, de plongée sous-marine, de guitare et d'art contemporain. Tout est vrai ? Oui. Pas mal. Bon, vous êtes en parallèle en tout cas président directeur général du groupe Rocher depuis 2010. Le groupe Yves Rocher aujourd'hui, c'est 10 marques. C'est ça. Yves Rocher, bien sûr, Arbonne, Petit Bateau, Stan Home, Kiotis, Docteur Pierre Rico, Daniel Jouvent, Cidé Parfum, Sabon. Bon, je crois qu'on les voit d'ailleurs s'afficher à l'écran. Et Folmar, comme ça, je n'en aurais oublié aucun. Et vous êtes président de cette édition des One to One. Donc mars sera le mois du retail pour One to One. De quoi serait fait le mois de mars 2021 pour le groupe Rocher ? C'est pas seulement le mois de mars, je pense. On va avoir un début d'année 2021 à peu près dans la même veine que 2020, toujours affecté par cette crise sanitaire, avec des confinements dans un certain nombre de pays, notamment en Europe. En France, nous ne sommes pas confinés, mais nous sommes quand même impactés par la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, de 10 000 mètres carrés dans certaines régions, 5 000 mètres carrés dans le Pas-de-Calais. À date, là, ça concerne 230 magasins sur la marque Yves Rocher, donc c'est quand même très significatif. Ce que l'on peut voir, c'est que au-delà de cet impact qui est négatif, bien évidemment, la force du groupe Rocher, c'est d'être un groupe diversifié. Diversifié à la fois à travers un portefeuille de marques, vous les avez cités, mais aussi diversifié géographiquement et à travers ses canaux de distribution, puisqu'il y a bien évidemment les magasins, mais il y a le e-commerce, bien sûr. Et puis, surtout, un nouveau canal qu'on a développé ces dernières années à marche forcée, qui est le social selling. Et finalement, cette diversification nous a permis de passer, ou de traverser plutôt cette crise, en atténuant les effets négatifs de la fermeture de nos magasins. Donc moi, ma vision des choses, c'est qu'on va avoir un début d'année 2021 dans la même veine que 2020, mais on va avoir aussi une mise à l'échelle des vaccins qui va nous permettre finalement d'entamer une seconde partie de l'année 2021 qui sera bien évidemment bien meilleure. Ce qui est rassurant au niveau du groupe et à travers les marques du groupe, ce que l'on a pu constater, c'est la fidélité de nos clientes. Mmh. C'est-à-dire que nous avons fermé les magasins lors des confinements successifs, mais à la réouverture des magasins, les clientes ont répondu présentes. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Ce que je vois là, si je prends la marque Yves Rocher en France, les magasins, on a certains magasins qui sont fermés dans les centres commerciaux, les plus grands centres commerciaux. C'est évidemment nos plus grands magasins, donc l'impact sur le chiffre d'affaires est conséquent. Pour autant, les magasins qui restent ouverts, eux, surperforment. C'est-à-dire que nous sommes, là, sur cette semaine, en croissance égale à surface égale positive, à deux chiffres. Et ça, ça traduit la fidélité de nos clientes. C'est le résultat du manque ? C'est le résultat d'une... Je pense que c'est le résultat... En fait, nos clientes... Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en croissance égale positive, alors même que nos magasins, finalement, ouvrent sur une plage horaire qui est plus réduite, puisqu'il y a le couvre-feu, et que nos magasins sont obligés de fermer à 17h30. Donc, sur une plage horaire plus réduite, on est en capacité de faire de la croissance égale. Et nous ne comptons pas le e-commerce dans la croissance égale de nos magasins. On met bien le e-commerce à part. Ce que ça traduit, c'est que, et on le voit à travers les données, c'est que les clientes des centres commerciaux de nos magasins, en fait, elles vont dans les magasins des centres-villes parce qu'elles sont attachées à la marque. Et je pense que ce que ça traduit, c'est un, la force des marques. Nous avons des marques qui sont très très fortes, que ce soit Yves Rocher, Petit Bateau ou autre. Et ça traduit aussi quelque chose qui me paraît absolument essentiel dans ce que l'on est en train de traverser aujourd'hui et qui fait que la marque Yves Rocher est bien souvent sur le podium de la relation client, etc. Mais l'un des critères discriminants qui est toujours mis en avant, c'est la relation avec nos conseillères de beauté. Et en fait,
Je pense que ça remet l'humain au cœur, quelque part, cette crise que nous sommes en train de traverser. Et bien évidemment, on constate une digitalisation des modèles d'affaires, mais cette digitalisation, elle ne se fera pas sans l'humain. Vous avez commencé justement à parler de social selling, et de, en tout cas de social, et de ces communautés aujourd'hui, hier. Avant-hier, votre grand-père, m'a-t-on dit en préparant cet entretien, se servait des lettres de ses clientes pour les passer, les diffuser par voie de presse pour faire la promotion de sa marque. Aujourd'hui, comment est-ce que vous utilisez, vous nourrissez de ce que vous rapportent vos clientes, notamment à travers les communautés sur les social media? Ce qui est intéressant à travers le groupe Rocher, c'est que c'est un groupe qui a toujours su pivoter. Mon grand-père, comme vous l'avez dit, a commencé en créant sa marque, la marque Yves Rocher, une marque de produits de beauté naturels, mais vendue par correspondance. Mmh. Et en fait, il était très attaché finalement à entretenir une relation directe et privilégiée avec ses clientes. Son objectif, à l'époque, on se remet dans le contexte, on est dans les années 50, c'était de démocratiser la beauté, de rendre la beauté accessible au plus grand nombre de femmes. À l'époque, la beauté n'était accessible qu'à une élite. Lui, il voulait rendre la beauté accessible au plus grand nombre de femmes. Et il l'a fait à travers la vente par correspondance. Des années plus tard, mai 68, grève des postes, on l'imagine bien, plus en capacité de délivrer les colis aux clientes compte tenu de cette grève des postes. Donc, il décide de pivoter. Et il ouvre des magasins l'année suivante, en 1969, premier magasin ouvert. Et le retail a pris le pas sur la vente par correspondance au fil du temps. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne voulait plus dépendre du secteur public compte tenu de l'impact négatif que cela avait. Nous, on l'a bien vu, non pas que... Et le retail n'est pas mort. Pour moi, le retail n'est pas mort. Les chiffres en témoignent d'abord. Les chiffres en témoignent. Nous avons été en capacité de délivrer de la performance. Quand les magasins réouvrent, les clientes ont répondu présent. Les gérantes de magasins ont répondu présent. Les conseillères de beauté étaient bien sur le pont, etc. Et on a délivré de la performance, et plutôt une performance absolument exceptionnelle dans le contexte. Pour autant, on voit bien que nous, ce qui nous a toujours intéressé, c'est d'avoir finalement deux jambes en quelque sorte. On avait la vente par correspondance, on avait le retail. La vente par correspondance, évidemment, elle est en déclin structurel, ce qui est assez logique compte tenu de la digitalisation des modèles d'affaires. On a voulu s'armer d'une deuxième jambe. Et on a développé un nouveau canal de distribution, ce fameux social selling. Alors, qu'est-ce que c'est le social selling? Ce n'est rien d'autre que la réunion à domicile type Tupperware, sauf que cette réunion à domicile, elle a été ubérisée, en quelque sorte, par la digitalisation. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ces réunions à domicile, ces réunions, maintenant, elles se font à distance, à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp ou autre. Vous avez beaucoup appris de l'acquisition d'Arbonne en la matière? Alors, en fait, on avait beaucoup appris avant même l'acquisition d'Arbonne, puisque vous l'avez cité, on avait racheté la marque Stanome fin des années 90. Stanome, en fait, c'est une marque qui a été créée par Stanley Beveridge. Et Stanley Beveridge est l'inventeur de la réunion à domicile. Il a créé la marque Stanome en 1932 aux États-Unis, pendant la Grande Dépression, justement pour être en capacité de donner des jobs aux gens qui en avaient le plus besoin. Ça devrait s'appeler les réunions Stanome, c'est ce que vous nous dites, en fait. Plus que Tupperware, probablement. Non, mais bon, peu importe. En fait, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on voit et ce que j'ai constaté, moi, si je prends le premier confinement, on se remet début d'année 2019, visibilité égale à zéro. Évidemment, une inquiétude forte, les magasins étaient fermés. Là, on sait exactement ce que ça va produire. Zéro activité, c'est un business de frais fixes. En termes de profitabilité, c'est potentiellement un désastre. Sur le social selling, nous n'avions aucune idée de l'impact que cela allait avoir. Un exemple, prenons l'Italie. Mois d'avril de l'année dernière, l'Italie en Europe était dans l'œil du cyclone. Premier pays affecté en Europe. Donc là, on peut se dire que ça pouvait faire potentiellement très 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 mal. En Italie, nous avons des magasins, on a une centaine de magasins, mais on pratique aussi le social selling. Figurez-vous que sur le mois d'avril, le social selling en Italie était en croissance de près de 10%. Sur le mois d'avril. Et en fait, ce que l'on a constaté, c'est que les gens ne demandaient que ça. Qu'on les contacte, qu'on fasse preuve d'attention, qu'on soit à leur écoute. Qu'il y ait cette relation de proximité.
concrètement, parce que social selling, c'est beaucoup de choses finalement aujourd'hui. Qu'est-ce qui fonctionne d'après ce que vous deux choses. Essayez. Deux choses essentielles de mon point de vue. La première, justement, c'est cette relation. C'est on remet l'humain au cœur du système. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une interaction avec un algorithme, vous avez une interaction avec une vraie personne que vous connaissez. Et donc, il y a un climat de confiance qui s'instaure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un des fondements du social selling, c'est le développement personnel. C'est-à-dire que, en fait, le social selling, c'est une armée de consultantes indépendantes, mais qui ont la capacité à se développer. C'est-à-dire que, d'abord, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tout le monde peut devenir consultant indépendant, à condition de se lever et d'y aller, hein, concrètement, comme dans tout métier. Mais c'est potentiellement un ascenseur social. C'est-à-dire que, à la différence d'Uber, vous pouvez gravir les échelons. Et donc vous développer personnellement. Et donc cette combinaison de l'humain au cœur et cette capacité à se développer personnellement, pour moi, c'est le facteur clé de succès du social selling. Et le social selling était notre deuxième canal de distribution en 2019. Compte tenu de la crise que nous traversons, c'est devenu notre premier canal de distribution et il a pris le pas sur le retail. Okay. Et donc, qu'est-ce que l'on constate ? On constate qu'il y a une digitalisation des modèles d'affaires. Le social selling en est la preuve. Le e-commerce a passé la surmultipliée, décroissance à trois chiffres, bien évidemment. Mais, et c'est ça qui est très intéressant, cette digitalisation, elle s'est faite, en tout cas au sein du groupe Rocher, en remettant l'humain au cœur du système. Il y a un vrai enjeu quand même d'agilité technologique. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'assurer d'être non pas à la pointe, mais même en avance, de toujours justement être... En bien sûr, avec les... il y a un enjeu d'agilité technologique. Il faut équiper finalement notre réseau d'outils technologiques à la pointe, comme vous le dites. Là, il ne faut pas chercher midi à 14h. Il faut travailler avec les meilleurs, les gros faiseurs, que ce soit sur le front Google, Salesforce ou sur le back SAP Forana, etc. Et il faut implémenter ces outils technologiques pour être en capacité véritablement de délivrer de la performance. Ça, c'est une nécessité absolue, bien évidemment. Et c'est une grosse part de l'enjeu de l'année qui s'ouvre ? Oula, c'est une grosse part de l'enjeu des 10 prochaines années et probablement des 20, voire des 30 prochaines années, parce que c'est un jeu sans fin en réalité. Finalement, il y a des phénomènes d'obsolescence en permanence, des montées de versions, etc. Donc ça fait partie maintenant, c'est un peu comme l'électricité, quoi. Je veux dire, ça fait partie des modèles d'affaires, quoi. Donc il faut l'intégrer. C'est structurant dans les modèles d'affaires, quel que soit le business dans lequel on est d'ailleurs, mm-hmm. De mon point de vue. Quoi. Donc, ce qui est structurant pour votre business, Sonia en parlait, c'est le fait que vous soyez devenu un groupe à mission. Vous voyez que nous aussi, hein, chez One to One, on a à cœur de participer à la reforestation des plateaux télévisés. Blague à part, qu'est-ce que ça change dans le business ? À quel point est-ce que c'est peut-être contraignant aussi, au-delà de ce que ça apporte et ce que ça a comme vertu, sans doute pour à la fois l'interne et même pour le bien commun ? Ah, contraignant, oui, c'est contraignant. C'est contraignant parce qu'on s'impose des choses. Donc on est en mouvement, mais je crois qu'on est payé pour ça quand même concrètement. Donc tout travail mérite salaire, mais il faut mériter son salaire. Non, au-delà de la contrainte qui, de mon point de vue, n'en est pas une, je pense que c'est un upside considérable. C'est un upside considérable. Je suis un fervent défenseur de l'entreprise à mission, de la raison d'être, je ne peux qu'encourager tout le monde à aller vers cela. Bien sûr que oui, c'est opposable juridiquement, mais je vais vous dire quelque chose. J'ai assisté l'année dernière, j'ai participé aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, le Cercle, et il y avait un débat justement sur l'entreprise à mission. Il faut y aller, il faut aller sur l'entreprise à mission parce que c'est ce que veut le consommateur. Mais le débat opposé, il était plutôt axé sur mais le pouvoir d'achat du consommateur. Le pouvoir d'achat, c'est quand même important. Et je considère que c'est important.
Et donc, si vous allez vers l'entreprise à mission, on imagine bien qu'il y a un taux d'effort, un poids dans le PNL qui va être conséquent et qui peut altérer négativement le pouvoir d'achat du consommateur parce que ça va se refléter in fine dans le prix des produits. Bien sûr. Moi, je pense sincèrement qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, elle est là pour répondre aux attentes du consommateur, quelle qu'elle soit. Mmh. Et aujourd'hui, on le voit bien, la tendance, elle va vers ça. Le consommateur, il vote, non pas avec un bulletin de vote, mais avec sa carte bancaire. Donc, l'entreprise est là pour répondre aux attentes du consommateur. Donc, il faut s'engager là-dessus. Mais j'ai même pris un peu plus de hauteur par rapport à ce débat-là. Finalement, si une entreprise ne vole que parce qu'elle a des clients, une entreprise n'existe que parce qu'elle est constituée de femmes et d'hommes. Accessoirement de talent, ça ne peut pas faire de mal. Et je vais vous dire quelque chose, la raison d'être d'une entreprise, pour les collaborateurs, c'est une raison d'y être. Ouais. Ou pas d'ailleurs. Ouais. Et de fédérer, j'imagine aussi, quand on est dans une politique d'acquisition ou quand on regroupe 10 marques qui n'ont pas forcément un ADN commun, c'est ce que vous avez déjà dit. Le mouvement suscite l'adhésion. Devenir une entreprise à mission, c'est se mettre en mouvement. Vous ne pouvez pas attendre que le législateur vous impose les choses. Vous devez anticiper et prendre de l'avance pour répondre aux attentes du consommateur, pour attirer les meilleurs talents. Si la raison d'être d'une entreprise, c'est du miel, le fait de devenir une entreprise à mission, c'est de la gelée royale. Donc il faut véritablement aller dans cette direction. Si je dis ça, c'est important parce que il y a trois dimensions dans la loi Pacte. Oui. La première dimension qui s'impose à tout le monde, c'est la refonte de l'article 1 des statuts qui jusqu'à présent a été focalisé sur la performance économique et qui intègre maintenant des dimensions sociétales et environnementales. La deuxième dimension, c'est s'interroger sur la raison d'être de son entreprise, ce qui est fondamental, fondamental. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que finalement, s'interroger sur la raison d'être de son entreprise, sur le « why » de son entreprise, finalement, ça peut potentiellement être un peu comme la réflexion sur les valeurs, des mots qu'on placarde sur un mur, mais qui peut être vidé de sens, si, parce que finalement, ce qui fait la différence, ce n'est pas tant la raison d'être que les actes alignés avec la raison d'être. Ce qui est compliqué, c'est parce que les actes dont vous parlez, vous l'avez aussi dit, ça implique des investissements. La complexité, j'ai l'impression, c'est qu'il y a encore un an exactement, on sentait bien cette urgence de s'engager pour les entreprises, mais la crise qu'on connaît n'avait pas encore pointé son. Et la difficulté, c'est peut-être le momentum, justement, où on est dans cette urgence-là. Justement, raison de plus pour intégrer la troisième dimension. S'arrêter à la deuxième dimension et juste s'interroger sur sa raison d'être, c'est prendre le risque d'être taxé de purpose washing. Mmh. Et ça peut altérer négativement la performance économique de l'entreprise. Donc, il faut véritablement aller jusqu'à la troisième dimension, c'est-à-dire inscrire cette raison d'être dans les statuts de son entreprise. Mmh. Cascader dans les statuts les objectifs qui vont être directement déclinés de cette raison d'être. Mettre en place un comité de mission composé sous l'égide du conseil d'administration, 50-50. Composé de personnalités internes et externes à l'entreprise, qui vont devoir produire un rapport chaque année sur l'état d'avancement de la société au regard des objectifs qu'elle s'est imposés dans ses statuts. Et tout cela doit être certifié par un organisme tiers indépendant, les commissaires aux comptes ou Bureau Veritas par exemple. Aller vers l'entreprise à mission, ça vous oblige, parce que si c'est opposable juridiquement, c'est même pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est le risque d'image. Parce que le comité de mission ou l'organisme tiers indépendant, s'ils estiment que vous êtes mis en contravention des statuts, ils ont le pouvoir de vous faire changer les statuts de vos sociétés. Et là, à partir de ce moment-là, ça peut altérer négativement l'image de votre société. Donc je ne peux qu'encourager. Après, on comprendra, excusez-moi. Oui, je ne peux qu'encourager à aller dans cette direction. Pourquoi ? Parce que même s'il y a une crise telle qu'on la vit aujourd'hui, si nous voulons, et c'est pour ça que j'en reviens à la fidélité des clients de nos marques, c'est aussi parce que justement nous sommes une entreprise engagée. Évidemment, il y a des aspects de marketing, etc. Mais de mon point de vue, il est fondamental de ne pas s'arrêter au storytelling. Il faut passer de l'ère du storytelling à l'ère du storydoing. Mmh. Et traduire tout cela en actes, ce sont nos actes qui vont finalement accroître la fidélité de nos clientes
aujourd'hui et demain. Hier, les attentes étaient très focalisées sur le développement durable de la société. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un engagement même social qui est attendu de la part des entreprises sociétales, sociales. Demain, on imagine volontiers que c'est la pollution numérique qui sera aussi pointée du doigt. Est-ce que c'est déjà des sujets sur lesquels vous travaillez ? Oui, on travaille sur tous les sujets. En fait, nous, au sein du groupe Rocher, on distingue deux types d'objectifs. Des objectifs qu'on va qualifier d'objectifs singuliers et les objectifs conventionnels. La raison d'être du groupe Rocher, si je la simplifie à l'extrême pour aller rapidement au cœur du sujet, c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Un objectif singulier, par exemple, c'est de planter des arbres. Mais nous ne plantons pas des arbres pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre. Nous plantons des arbres, et quand on plante des arbres, on le fait avec nos différentes communautés. Et donc on le fait avec les collaboratrices, les collaborateurs, nos clientes, l'ensemble des parties prenantes, que ce soit nos franchisés, nos consultantes indépendantes, voire nos fournisseurs, des OLB, des agriculteurs, etc. Et quand on fait cela avec nos différentes communautés, d'abord ça nous prend la journée parce que ça prend du temps de planter des arbres, mine de rien. On met les mains dans la terre, ça fait un bien fou. Ouais. On se reconnecte à soi, on se reconnecte aux autres et on se reconnecte à la planète et on a envie d'agir en faveur de la planète. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait que vous ne plantez pas forcément des arbres pour compenser votre empreinte carbone, puisque vous n'êtes pas forcément pour cette compensation, si j'ai bien compris. Vous êtes pour le bas carbone plutôt que... On bannit la neutralité carbone. Ouais. C'est un terme que nous n'aimons pas. Ouais. Parce que la neutralité carbone, elle implique nécessairement une forme de compensation. Et la compensation, finalement, c'est une autorisation à polluer. Vous pouvez polluer ou augmenter vos émissions de gaz à effet de serre et compenser et paraître propre sur vous, en quelque sorte. Non, nous, on est plutôt pour une sobriété carbone. Même si nous plantons des arbres, parce qu'on plante des arbres, on sait très bien que les arbres, ça stocke du carbone, ça fertilise les sols, ça lutte contre la déforestation, mais on le fait pour reconnecter nos communautés à la nature. Parce que, en fait, se connecter à la nature, ça procure du bien-être. Et en retour, on a envie d'agir en faveur de la planète. Donc on crée un mouvement positif. Pour autant, ça nous oblige. C'est-à-dire que, et c'est là où on en arrive aux objectifs conventionnels, nous devons quand même réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On peut peut-être se connecter à la communauté, justement, en leur demandant si jamais eux, ils sont plutôt, si vous êtes plutôt zéro carbone, enfin neutralité carbone ou bas carbone dans votre entreprise, quelle est la politique mise en œuvre à ce sujet, et prendre déjà une ou deux questions qui nous sont arrivées. La première vient de Xavier Dordor qui nous demande, à un an, quel rapport projetez-vous entre e-commerce et retail? Alors, c'est une question qui était un peu plus haut dans notre conversation. Alors, je préfère parler de digital, parce que dans le digital, j'y mets le e-commerce et le social selling. Si je regarde les chiffres 2020, aujourd'hui, si je combine social selling et e-commerce, c'est déjà 50% de mon chiffre d'affaires au niveau du groupe. D'accord. Le e-commerce a pris le pas sur la vente par correspondance traditionnelle et le social selling a pris le pas sur le retail. Pour autant, à nouveau, je le répète, le retail n'est pas mort dans mon esprit. D'ailleurs, sur la marque Yves Rocher, j'ai des activités qui ne se digitalisent pas, et soit en institut, quoi qu'on en fasse, ça ne pourra pas être sur le e-commerce. Donc ça va être la combinaison des deux, mais on voit bien qu'il y a eu une véritable accélération sur la digitalisation. La deuxième question, justement très au social selling, puisque Mathieu Stat nous demande, n'y a-t-il pas un risque de requalification réglementaire du social selling en France, à l'instar d'Uber justement ? Non, on n'a pas de sujet de préoccupation sur ce sujet-là. Aujourd'hui, le social selling, c'est réglementé. C'est un métier qui existe depuis 1932, qui s'est développé dans tous les pays du monde, que ce soit là où la distribution est structurée, mais là où elle n'est pas structurée. Donc, ce n'est pas un sujet. C'est pas un sujet. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, c'est quand même plus participatif. Nous, on est tous les deux à quelques pas de la bourse. Vous êtes peut-être tout seul derrière vos écrans. Mettons un peu d'intelligence collective dans cette conversation. Par rapport justement à la communauté et à Arbonne, dont on a déjà parlé, et à votre vision plutôt de l'avenir,
Aujourd'hui, comment est-ce que vous maniez justement les différentes marques dans les pays? Je sais que vous avez commencé au développement sur l'Asie, à travailler le développement d'Yves Rocher en Asie, me semble-t-il. Est-ce que ça continue à être le marché qui va l'idée le développement de votre modèle économique demain? Alors, notre premier marché reste la France. Le deuxième marché, c'est les États-Unis. Sur les États-Unis, il y a encore énormément de potentiel. Même si c'est notre deuxième marché, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Là où aujourd'hui nous sommes, on va dire, peu présents au regard des prises de parts de marché de nos concurrents, c'est l'Asie aujourd'hui. Même si le Japon fait partie de notre sixième ou septième pays. Donc il y a un fort développement sur cette région, c'est vrai. Mais à travers quasiment l'ensemble de nos marques, à commencer par Petit Bateau, qui a déjà une cinquantaine de magasins en Chine. Le deuxième marché de Petit Bateau, c'est le Japon, après la France. Sabonne, son premier marché, c'est le Japon. Sabonne vient de s'implanter en Chine. Voilà, donc en fait, l'ensemble de nos marques sont en train de travailler pour se développer sur cette région qui a un fort potentiel. D'accord. Par rapport à la présidence de cette session, de ce mois, quelle empreinte avez-vous envie de lui donner? Est-ce qu'on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur les entreprises à mission, justement, à l'urgence de la RSE, ou est-ce que ce serait autre chose qui vous tiendrait à cœur de... Non, ce serait ça, oui, clairement. Je pense que... il y a encore trop peu d'entreprises aujourd'hui qui ont pris cette voie. Il faut véritablement y aller. Soyez déterminés. J'entends dire que c'est un risque. Je pense que le vrai risque, c'est de ne pas y aller. Les entreprises qui ne seront pas engagées demain vont subir des impacts négatifs sur leur performance économique. Parce que l'entreprise, quelque part, elle est condamnée à répondre aux attentes du consommateur. Et finalement, le consommateur, comme je le disais, pas de moi d'ailleurs, c'est d'Alexandre Mars, mais il a la possibilité, il a la capacité de voter, pas avec un bulletin de vote, mais avec sa carte bancaire. Et je vais vous dire quelque chose, le consommateur, quand il consomme une marque, quand il achète une marque, c'est pour en faire le véhicule de sa propre raison d'être. Quand vous portez une marque, telle ou telle marque, vous commencez à faire partie d'une famille, d'une communauté, ça dit quelque chose sur vous, vous vous affirmez. Et donc le consommateur, il va adhérer à des marques. Et demain, il va adhérer à des marques qui seront des marques engagées. Donc il faut véritablement aller vers ça. C'est une tendance de fond, mais qui ne date pas des 2-3 dernières années. Si on prend un peu de recul, moi, si je regarde, rien qu'en France, si je regarde qu'est-ce qui s'est passé sur ces 30 dernières années, on a eu 3 cycles évolutifs majeurs au niveau de l'entreprise. On a d'abord eu l'âge du mécénat, où en fait, à l'époque, l'entreprise était uniquement focalisée sur sa performance économique. Il n'y avait que ça qui comptait. Et on s'est dit, c'est quand même pas terrible, il faut inciter les entreprises, finalement, à aller vers plus de philanthropie. Et donc, il y a eu le développement du mécénat à travers des crédits d'impôt, et c'est une chose formidable qui demeure encore aujourd'hui, et c'est tant mieux. Mais voilà, il y a eu cette première idée, voilà, d'inciter les entreprises à aller vers un peu plus de philanthropie, de réinvestir finalement ces profits dans des domaines comme l'art ou d'autres événements. Mais après, on s'est dit, il faut quand même évoluer, parce que finalement, ça c'était, on va dire, la préoccupation du PDG de l'entreprise. Bien souvent, l'entreprise finançait des actions, mais des actions qui étaient probablement totalement décorrélées du modèle d'affaires de l'entreprise en question, et l'organisation n'était même pas concernée par le sujet. Donc on s'est dit, il faut réintégrer tout cela au sein de l'entreprise. Et donc on a eu l'époque de la RSE, où en fait on a vu naître des départements de développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Mais la RSE, finalement, ce n'est que répondre aux contraintes réglementaires. Donc en fait, c'est quelque chose qui nous est imposé, que l'on subit. Alors on peut être proactif par rapport à cela, mais voilà, il s'agit de répondre aux contraintes réglementaires. Et maintenant, on est à l'ère de l'entreprise à mission. Et là, on s'interroge sur sa raison d'être, sur ce que l'on veut devenir, sur ce que l'on veut produire, et c'est une évolution majeure. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que tout cela s'est passé sur 30 ans,
Donc une période assez courte, mais on voit que le rôle de l'entreprise a profondément évolué. Muté. Et ça, c'est très encourageant et ça doit nous inciter à aller vers cela parce que ce n'est pas terminé. Ce n'est que le début de l'aventure. Donc allons-y gaiement, sinon ça ne va pas le faire. Eh ben, en tout cas, on pourra retenir que 100% des votants ont choisi le bas carbone contre le zéro carbone. Et plantez des arbres, sans vouloir compenser, mais faites-le, ne serait-ce que pour vous faire plaisir. Ça augmentera le bien-être de chacun. Très bien, donc on retient pour l'année prochaine et on fait le bilan du nombre d'arbres plantés par chacun. Merci beaucoup Brice d'avoir Merci été beaucoup. Avec nous ce matin. On va passer tout de suite à notre prochain sujet qui sera consacré à la logistique. On va parler de durabilité bien sûr, on va parler de techno aussi et on va le faire dans un instant. Le lien du live vous est envoyé par chat. Merci.